En fait, ça va se faire en deux temps. Il va être dans un premier temps sorti de l'eau, mis dans une caisse de transport, mis dans une barge. Et ensuite, il va être transloqué dans un camion puisqu'il va faire le trajet par la route. Donc, il y a eu un arbitrage à faire. La voie fluviale était la plus calme, mais extrêmement longue. Donc, finalement, il a été décidé de l'emmener par la route. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Et ensuite, il y a toute une logistique aussi sur le point d'arrivée. Mais déjà, il faut qu'on arrive à le sortir sans qu'il se stresse trop. Sans qu'il y ait d'à-coups, sans qu'il y ait d'incidents, parce qu'encore une fois, on est quand même sur un site qui n'est pas du tout idéal pour ça, donc on est obligé de composer avec un contexte qui ne se prête pas vraiment à la manœuvre.